Salut les gars, bienvenue dans ma chaîne BLF%. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Motard versus Personne en colère. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner dans ma chaîne et activer la cloche. Toutes les vidéos utilisées dans cette vidéo sont utilisées avec l'autorisation du propriétaire. C'est parti pour la vidéo. Ce motard est en train de rouler tranquillement. Les deux coupes, un conducteur passe devant lui. Je vous laisse pour la suite. Vous avez la caméra ? Dis bonjour ! Dis bonjour ! Bonjour, le CD le passage. Si j'y vais, vous me tuez, madame. Je vous pardonne, je vous pardonne. Mais vous étiez ailleurs, si moi j'y vais, je respecte. Je comprends, je vous explique. Après, t'as pas vu que j'ai prévu, j'ai vu, il était trop tard, vous arriviez trop vite. Voilà. Si moi j'y étais, on se rentrait dedans, vous me faisiez du mal. Vous, vous êtes protégé, vous n'avez rien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a pas de souci, je comprends. Je comprends, c'est dur pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je m'excuse, j'ai crié, je m'excuse, c'est l'émotion, j'ai eu peur. J'ai eu peur, moi aussi, madame, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre gentillesse. Je comprends, j'ai vu, je vous ai vu arriver fort. J'ai vu, vous ne pouvez pas freiner, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Soyez vigilante. Voilà, soyez vigilante. Je pourrais être votre fils. Non, je pourrais être votre fils. 36 ans que j'ai le permis. J'ai fait attention. Je comprends. Mais là, je sors du travail. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Alors, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe ? Moi aussi, j'en tremble. Moi aussi, j'en tremble. Merci à vous. Et toi ? Là-bas. Ce cycliste est en train de rouler tranquillement. Et de coup, il voit une voiture stationnée sur la piste cyclable. Je vous laisse voir la suite. Derrière sur une piste cyclable dans le virage. Il y a pas quelqu'un. Mais non, mais vous pouvez pas attendre. Vous pouvez pas, je vous asseoir quand même là. Non, parce que sinon il n'y aura pas un malaise, il y aura un accident. Oui. Regardez, bien. Le mec il m'a frôlé là. Ah oui. Ben, donc enlevez votre voiture. Tu serais pas arrêté, tu aurais pas eu ça. Non, mais justement, enlevez votre voiture. Oui, c'est ça, allez. Non, non, enlevez votre voiture maintenant, tout de suite. J'appelle les flics. Appelle-le. Bah ça, j'appelle José Or Sticker aussi sur votre voiture. J'appelle les flics. Hé, hey, écoute, il y a des flics qui viennent de passer, ils m'ont rien. Donc franchement, arrête de faire ton mal. Donc franchement, je vais sortir et ça va aller en trop. Il se gare sur la piste cyclable, ce monsieur. Non, mais je vais vous coller un sticker, vous allez comprendre. Je commence. Ma copine, elle s'est fait écraser par un gars comme vous. Ce moment, les gars, le conducteur sort de sa voiture. Barre-toi, non, non, non. Bougez votre voiture, vélo. Monsieur, bougez votre voiture. T'as pas autre chose à faire là. Mais monsieur, c'est super dangereux. Ma copine s'est fait écraser sur une piste cyclable à cause de gens comme écoute, vous. J'attends quelqu'un qui travaille là, elle a un malaise. Vous n'avez pas le droit donc de rester j'attends. Là. Vous irez là, vous avez qu'à vous garer là. Il y a un garage là, il y a un garage là. Bougez votre voiture. Mais quoi, t'es non, c'est super. Regardez le bus. Ma maman au travail, c'est pour ça qu'on a bien dit le téléphone en urgence. Je viens de le trouver au téléphone avec elle jusque maintenant. Je viens d'arriver, il n'y a même pas 2 minutes, je crois. Mais je lui ai dit depuis 10 minutes. En m'agressant. Ouais. Voilà, excusez-moi. Donc il s'est mis en deuxième ligne parce que je dois absolument aller à l'urgence. Elle est tombée, elle a eu des bleus et tout.
et ici elle reprend ma lettre. C'est tout. Ok, parce que vous avez vu le bus quand il est passé. Je m'en explique. Ok, mais vous expliquez. Voilà. Mais c'est. Mais voilà. Regardez la. Non, mais c'est pour ça. On est un peu stressé. Ouais, non, ok. Vu la situation. C'est une exception, ok. Voilà. Mais le truc, c'est que voilà. Je ne te l'ai pas expliqué. Regarde ta caméra. Ok, donc tu vas te la voir comme. Ok. Tu me menaces. T'as vu comme t'as ? T'as vu comme t'as ? T'as vu comme t'as ? Sucros est en train de rouler tranquillement. Il découpe un tracteur et s'arrête devant lui. Je vous laisse voir la suite. Je roule. Regardez mes pneus. Si, c'est des pneus homologués pour les chemins. Ils ne dégradent pas les chemins. Je fais exprès de prendre des pneus comme ça et pas des pneus cross. Ça n'a aucun sens dans le sens où là j'étais à 50. Que j'aille à 50 ou à 40, le chemin ça sera le même. C'est parti, les gens vont donner toute ma carrière des chemins. Faut pas rouler cette vitesse dans les chemins. On ne les tient pas les chemins. Je comprends monsieur, mais vous savez, vous passez une fois avec votre tracteur, vous le dégradez plus que moi en un an. Bien sûr que si, vous avez vu les roues que vous avez monsieur. Mais en quoi est-ce que ça les dégrade les chemins que je passe? À 50 à l'heure, c'est trop vite. Mais vous rigolez, si on peut plus rouler à 50 à l'heure, vous vous rendez compte, on peut plus rien faire. 50, c'est trop. Mais vous rigolez. Mais vous rigolez, mais dans ce cas-là, j'achète un vélo, j'achète plus une moto. Vous comprenez bien que déjà je roule pas très vite, je roule à 50. Si je ralentis. Ducros, ils sont en train de rouler tranquillement. Et du coup, un mec énervé commence à faire des signes. Je vous laisse pour la suite. Tu quoi toi? Le cross a décidé de lui parler. Christian? Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? D'accord, ben il n'y a pas de problème, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ben je suis désolé. Se balade ici à faire un bruit pour que tous les gens... D'accord, ben il n'y a pas de problème, je suis désolé monsieur, je m'excuse. Voilà, quand on parle tranquillement, vous voyez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, quand on parle tranquillement, on peut parler. Non mais il n'y a pas de problème monsieur. Quand on parle tranquillement, il n'y a pas de souci. Quand on parle tranquillement, il n'y a pas de souci, vous voyez. On peut parler tranquillement. Bon, on respecte quand même. D'accord, bah d'accord. Mais c'est pas obligé de me faire des signes comme ça. Je déballe pas à 100 décibels, à 100 décibels. C'est pas obligé de faire des signes comme ça. Non mais c'est pas une question de signes. Eh si. Mais c'est toi qui veux. Non mais je comprends, il n'y a pas de problème, je comprends, il n'y a pas de souci. Non, on s'énerve pas. Non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Moi j'ai une moto il y a 40 ans. Ah mais je comprends. Moi j'ai une moto il y a 40 ans. Non mais je comprends, je comprends. Ah bon. Non mais je comprends. Non mais je comprends. Non mais je comprends, je comprends. Vous êtes mal vu, on dit tiens, il passe avec les motos et tout. Non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je m'excuse et voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. En ce moment, les gars, il y a la police qui passe devant les crosses. Les deux cross, ils ont commencé à accélérer. Un conducteur énervé commence à klaxonner. Et après le motard, il s'énerve et commence à lui faire des doigts. Je vous laisse pour la suite. Bonjour. Vous êtes de la police, monsieur? Non, je suis pas la police. Ah, d'accord. Mais merci, les coups de klaxon en ville, regarde. C'est que quand il y a du danger. Regarde bien. Le klaxon interdit sauf cas de danger. Il est où le danger? Allez, au revoir, bonne journée. Merci, justicier. Bonjour. Voilà, c'est fou les gars, quand c'est malade on attaque, ils sont pas fous.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche et laisser un commentaire. On se voit pour le prochain épisode. Et merci pour regarder la vidéo.